Eh bien voilà, donc la SBL 100 famille a vu le jour à Gentine, dans le Brabant wallon, au début des années 90. La raison sociale, c'est évidemment la défense et l'hébergement des animaux abandonnés. La naissance de 100 famille est venue de la rencontre de mon épouse et de créer un refuge. Nous n'étions pas propriétaires et de gros frais devaient être faits pour être normes de l'administration de la santé publique. Donc nous avons, de commun accord avec mon épouse, décidé d'acquérir le site de Sorin dans l'entité de Dinan. Donc nous sommes dans un cadre campagnard, quoique proche de la ville. Et nous avons des animaux qui ne sont pas donc en pension, hein, qui sont abandonnés, hein, de nombreux chiens. Plus de 100 chiens. Il nous reste une trentaine de chats. Des cochons vietnamiens, c'est les cochons noirs, on en a 5. Nous avons notre mascotte qui est un cochon rose de 300 kg qui s'appelle Maurice. Et alors des chèvres, 5 chèvres, 7 chèvres pour l'instant. Des canards, des oies. Et non, j'oublie évidemment nos 22 équidés. Chevaux, poneys, ânes. Nous avons pu vraiment atteindre le petit paradis des animaux. Malheureusement, de nombreux problèmes administratifs se sont présentés à nous. Et nous avons évidemment le gros problème de devoir de manière drastique diminuer le nombre de nos animaux par donc décret du substitut du procureur du roi. La SBL est composée de mon épouse Frédéric Smits, qui est la présidente de la SBL. Moi, je suis le trésorier, cofondateur. On a M. François, qui est le secrétaire général. Et nous avons un quatrième membre, qui est la membre effectif, Mademoiselle Dolores Fricot. Cette SBL est financée en fait en fonds propres pour l'achat du site. Je suis moi-même encore à 62 ans livreur de produits pétroliers. Mon salaire sert aussi à donc alimenter la caisse de la SBL et nous avons quand même eu jusqu'à un petit millier de membres du temps où nous pouvions effectuer nos activités de manière tout à fait sereine et légale, ayant à ce moment-là notre agréation en ordre. L'hébergement d'un chien, si je calcule uniquement par exemple la nourriture, nous pouvons dire qu'avec plus de 100 chiens mensuellement, la nourriture coûte plus de 2500 euros par mois, en donnant une nourriture de qualité. Bon, à ça vient s'ajouter, bien sûr, les frais vétérinaires, les vaccins. Tous nos chiens sont pucés électroniquement en ordre de vaccination et stérilisés. Puisque nos chiens vivent en liberté, tout le monde est stérilisé. Donc tout ça, c'est un coût important. Les médicaments, qui sont aussi un poste très important, parce que nous avons un tiers de vieux chiens qui nécessitent quotidiennement des soins. Quand je ne travaille pas dans mon métier de livreur de mazout, je suis au refuge. À 4h30 du matin, je suis debout. Et dès qu'il fait clair, je ramasse ce que j'appelle les nougats, c'est-à-dire donc les étrons, pour parler français correctement. Il y a le nettoyage des locaux, parfois deux fois par jour. Les soins des chiens, la nourriture des chiens, etc. etc. Donc on peut dire qu'il y a pour facilement 12 à 14 heures de travail non-stop, étant donné qu'il n'y a pas que les chiens, il y a les chevaux, etc. Donc c'est du boulot de longue haleine. Nous avons ce que je n'appellerai certainement pas des concurrents, ce que j'appellerai des collègues. Nous ne sommes même pas assez, je crois, nombreux pour pouvoir, disons, accueillir tous les animaux abandonnés. Donc ce n'est certainement pas la concurrence, c'est une collaboration étroite.
nous sommes une catégorie 2 de nuisance, donc nous sommes largement à des distances donc suffisantes du voisinage. Je m'appelle Réginald de Mikils, je suis voisin de l'ASBL sans famille. Je n'ai jamais eu de problème d'environnement au niveau de l'implantation de cette ASBL. Je n'ai ni de pollution sonore, ni de pollution olfactive. Une majorité des problèmes inhérents à l'abandon des chiens, ce sont les divorces. Les divorces, parce que les gens ont acheté une maison, divorcent, n'ont plus les moyens, ni l'un ni l'autre, de garder la maison, vendent la maison, vont habiter des petits appartements, souvent sociaux, où les animaux sont interdits et le chien est abandonné. Les vacances, où on veut se débarrasser de son chien aussi. Ben, je crois qu'on a un grand rôle social, parce que premièrement, je dirais qu'il est vraiment manifeste que l'animal a pris une place dans notre société, c'est un fait certain, et malheureusement avec la récession économique qui est en cours et qui ne semble pas vouloir s'arranger, il y a pas mal de gens qui ne savent plus simplement matériellement entretenir le chien, le chat, voire même le cheval ou le poney. Malgré les grands problèmes que nous avons connus les 5 dernières années, avec la région wallonne aussi bien qu'avec la ville de Dinan, donc nous envisageons quand même de pouvoir continuer à Sorine ou ailleurs, sur un autre site, continuer donc notre activité de refuge pour animaux jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, de manière physique, l'assumer.